Il n'y en est pas question, Colette, ni pour une raison, ni pour une autre. Je te dis qu'il n'y a pas de danger. Pauline Bienvenue est allée jusqu'à Percé l'été dernier. En groupe, tu m'as dit qu'il était plus de 30. Puis tu te souviens du sermon que Monseigneur Laberge leur a servi après? Et parce qu'il campait, garçon et fille. Fortier, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Si elle ne peut pas t'accompagner en plus. Ben, coudonc, maman, tu me prends-tu pour une enfant? J'ai 20 ans quand même. Ça ne répond pas encore chez tonton Tancrède. J'imagine qu'il doit se trouver à son travail à Ottawa. Ils l'ont pas vu là non plus. Ben, essaie en fin de soirée. Tancrède se couche souvent très tard. Je suis une femme aujourd'hui. C'est à moi de prendre soin de moi puis décider ce que j'ai à faire. Je t'ai offert le train? Je sais. Je le prendrai pour revenir si tu veux. Mais ça va me faire du bien de faire l'effort physique. C'est 700 000 jusqu'à Deerbird. Je le fais en moins de 10 jours, je suis certaine. Mais voyons, tu trouves pas que t'exagères? Tu m'obliges à te faire une scène ridicule, pénible pour toi et pour moi. Maman. J'essaie de dire quelque chose à Camille avec ça. Je veux qu'il sache combien je tiens à lui. Puis que ça le protège, ce savoir-là. Tu comprends, j'ai besoin d'un geste excessif. Je veux que ça l'engage complètement, jusqu'au fond de lui, puis que ça l'oblige à survivre, puis à revenir. Je peux comprendre ça. Mais trouve autre chose. Aller en Nouvelle-Écosse à bicyclette, c'est un rêve de petite fille. Puis à la petite fille, je dis non. C'est trop dangereux dans la réalité. Seulement, je suis prête à aider la femme. La jeune femme, pour n'importe quoi qui fasse un peu de sens. Je tiens pas du tout à devenir autoritaire avec toi. Maman, je vais le faire pareil. C'est rien, la démobilisation. Et le Wing Commander, qu'est-ce qu'il a dit? Il me laisse le choix, les papiers sont arrivés. Il me les signe pour qu'ils entrent en vigueur le jour du mariage ou ils profitent de la parade du dimanche d'avant pour faire une petite cérémonie. Mais ça, c'est pas dans les habitudes. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je me demande des fois si je devrais pas rester dans l'aviation jusqu'à la fin de la guerre. Oh, comment fais-tu? Florence, on pourrait rester au Parc des Braves. Sinon, c'est Montréal, c'est l'Université McGill. C'est la dure vie d'étudiant, 60$ par mois. Don't play with me. On discute pas de l'avenir encore. Not again. I have enough trouble with father. C'est quoi les dernières nouvelles? Oh, il vient pas. C'est un homme trop sérieux pour donner sa fille en mariage à un catholique. Si je trouve pas Tancrède, on aura un père ni d'un bord ni de l'autre. It makes me so mad. Tu vas voir. Il va envoyer un chèque le lendemain pour s'excuser, hein? Because le remords après. It's all so puritan. Could be so much simpler. Qu'il vienne avant. Qu'il soit heureux avec moi, sa fille. Qu'il oublie les chèques for once. All that goddamn money he throws my way. Plutôt qu'aimer. Tu comprends? Ça te fait vraiment mal. You bet it does. Si j'y allais, moi. Quoi? Si j'allais te le chercher à Toronto. Ben dans le fond, il me connaît pas. C'est facile pour lui de bouder. Mais si j'allais lui montrer de quoi il a l'air, son genre. Would you do that? Ben, si je laissais jouer mon charme fou. je risque de me faire sacrer à la porte avant même d'avoir sonné, tu vas me dire. Non, 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 il va succomber tout de suite comme sa fille. Oh, it's such a marvelous idea, ton charme fou. Je suppose qu'il faut que j'y aille seul. Ah, mais c'est ça l'idée géniale. He won't be prepared for that. Il va être très impressionné. Il dit toujours que les gens savent pas avoir la audace. Ah oui, ben, il va falloir que tu me prépares d'abord. Ah, comment tu... Il va falloir que tu m'inspires pour la audace. Watch out, ta mère est juste à côté. Ah, mais il faut pratiquer la silence avec la audace. Jesus, je vais être obligée d'aller à la confesse encore. Le confesse. Rappelles-tu mon avion? T'en as eu beaucoup. Celui que j'avais volé avec Pierre-Paul avant de m'engager. Oh, Seigneur, celui-là, comment je pourrais l'oublier? J'étais folle d'inquiétude. C'est pareil pour Colette.
son expédition en bicyclette. C'est peut-être fou. Mais ce qu'il dit en faisant ça, tu sais bien que c'est correct. Je le sais qu'elle souffre. C'est dans sa souffrance que je voudrais l'aider. C'est sûr que je vais pas faire l'autorité avec elle. Mais je voudrais la toucher là où ça saigne. Ça, par exemple, elle me le demande pas. Laisse-la faire, maman. À un moment donné, elle va venir elle-même te dire où et comment tu peux l'aider. Probablement. Tu peux pas savoir comment c'est dur pour nous, les parents, d'accepter que vous vous blessiez, que vous fassiez du mal à vous-même. Je le sais que t'as raison. C'est avec toi que je l'ai appris. Ouais. Là, il va falloir que je l'apprenne au père de Florence. Tu l'as jamais rencontré, hein? Non, ça fait partie du problème, justement. Quelle sorte d'homme, c'est? Veuf, riche, une grosse fortune. Le grand-père de Florence avait fait beaucoup de sous avec les chemins de fer dans l'Ouest. Et lui, le père, il a multiplié ça dans les parts des papiers. C'est un homme très puissant. Ça te fait peur? Pas lui. Mais l'argent, ça m'intimide toujours un peu. Et puis je veux surtout pas qu'il pense que c'est pour ça que je marie sa fille. Ça, c'est... c'est délicat. T'as qu'à rester toi-même. Peut-être que lui aussi, ça l'intimide, un héros de l'Empire. Canadien-français en plus. Qui fait perdre la tête à sa fille. Fait qu'il faut que je le rassure en commençant par me rassurer moi-même. En tout cas, vous nous donnez du trouble aussi, les parents. C'est pas simple, vos histoires. Oh, avant de me chicaner, là, viens donc faire le bonsoir. Dis à Florence de ma part qu'elle est pas trop mal tombée. Il faudrait peut-être parler à Pierre-Paul. Ben, si tonton t'en crède, si j'arrive pas à le trouver, peut-être qu'il pourrait me servir de père à sa place. Mais Tancrède t'a dit qu'il acceptait, ça te suffit pas? C'est sérieux, maman. Ça fait plus d'une semaine que je le cherche, puis j'arrive pas à le retracer. Il faut qu'on prenne des arrangements. Je peux pas croire que Tancrède sera pas là pour le mariage. Tu te rends pas compte quelle victoire c'est pour nous deux? Moi, j'ai souvent pensé que tu reviendrais jamais de la guerre. Tancrède m'a beaucoup aidé. Il a eu raison d'espérer. Il va sûrement être là pour célébrer. C'est quand même étrange, cette absence. Juste chez Mme Saint-Pierre que j'ai pas osé m'informer. Corinne? Oui. Tu nous avais dit qu'elle était pratiquement en dépression, je sais pas. Je pensais que... Mais peut-être que toi, tu pourrais l'appeler. Pour savoir où est Tancrède. C'est mardi, le mariage, maman. Je veux pas t'inquiéter, mais il faut régler ça. Tu pourrais peut-être essayer pendant que je suis à Toronto. Ça a dû coûter une fortune. Est-ce qu'Emile l'a vu? No. Anyway, il est pas censé voir ça avant la cérémonie. And I didn't want to discuss the price. Mon papa avait envoyé un télégramme il y a 3 semaines. Very stiff. Avec ordre de revenir à Toronto. With a money order, you know, beaucoup d'argent. I was so mad. Je vais utiliser l'argent pour acheter la robe. C'est ça que j'ai dit à ma colère. Et nous étions très contentes, toutes les deux, en sortant du magasin. Ta colère et toi? Oui. C'est une bonne amie à moi, la colère. A useful friend from time to time. Faudrait peut-être que je lui parle à ton amie. Oh, you've got lots of friends to talk to. Mm. Une amie gentillesse, une amie intelligence, une amie, how do you say, determination. Détermination? Oh, yes, you've got lots of that. Oh, si tu savais comme je me trouve influençable. Petite fille, pas d'imagination. Moi, j'aurais jamais pensé à ça, une robe comme ça. Même si j'avais eu de l'argent. J'aurais jamais osé non plus à supposer que j'y aurais pensé. Es-tu déprimée? Have you had your periods? Oui, depuis hier. Ah, c'est ça. That's the reason why. Mais c'est une bonne nouvelle. T'es pas contente?
J'étais pas inquiète. On était tellement malhabiles, Camille et moi, je vois pas comment j'aurais pu être enceinte. Doesn't take much, you know. En tout cas, bonne nouvelle. Tu t'ennuies beaucoup de lui. Ouf. Il me semble que je lui ai pas dit le quart du commencement de comment je l'aime. Ça va être difficile pour toi, le jour du mariage. C'était la journée des fiançailles pour toi. Oh non, t'inquiète pas, je pars le lendemain pour le rejoindre. Non, je vais être très heureuse pour Émile et toi. I like you. Mais tu prépares une belle robe, toi aussi, right? Right. Florence, comment tu fais avec Émile pour pas tomber enceinte? Pour que j'aille dire ça à la confesse encore. I hate that. Oui, mais comment? Oh, on a ramené ce qu'il faut d'Angleterre. Émile et moi, we both did. Mais quoi? Don't you know about French safes? Oh, comment dire ça en français? Tu peux pas leur faire ça. Mais est-ce qu'ils se rendent compte, Sainte-Toupie? On peut pas se marier un jour d'élection. Personne n'y a pensé. C'est bien ça qui est effrayant. Marie, toute la province mange rien que ça à l'élection. C'est l'affaire du siècle. Puis pendant ce temps-là, vous autres, vous faites vos petites noces. Mais quand même. Hey, Marie, réveille-toi. Godbout, c'est l'homme le plus faible qu'on a jamais eu. Les Canadiens français n'ont jamais eu quelqu'un d'aussi mou pour les défendre. Ils nous ont vendus au fédéral. Pour rien à part de ça, même pas un ordre de dose. Il faut absolument récupérer notre autonomie. Comme Maurice dit... Bon, on peut très bien faire le mariage puis aller voter avant ou après. Sainte-Toupie Duplessis avait raison. C'était une folie de donner le vote aux femmes. Non, moi, Marie, là, j'y serai pas au mariage de Mille. Parce que ce jour-là, moi, je vais faire mon devoir de citoyen. Je vais travailler dans l'épaule, l'un après l'autre, pour essayer d'empêcher les libéraux de nous passer des télégraphes. Puis, peut-être bien les en passer quelques-uns nous autres aussi si on a la chance. Fait que comptez pas sur moi. C'est dommage. Émile avait même pensé que tu pourrais lui servir de père si Tancrède n'était pas là. Moi, ça? Ben oui, toi. Je pense que ça revient d'abord à Tancrède à cause de l'âge. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant, mais si pour une raison ou une autre... Non, mais c'est tout plus, je t'ai venu ici de te demander de retarder toute l'affaire. Je suis bien pas pour repartir avec la job de père en plus. Hey, hey, on n'est pas des girouettes, nous autres, à l'Union nationale. T'en vas-tu au funérail? Pas le temps de discuter, moi, là, puis de faire des faces plates. J'ai une grosse assemblée à soir à Trois-Rivières. Faut pas que je manque mon autobus. Fais mon message à Émile. Il faut absolument qu'il remette ce mariage-là. Autrement, il fait la game des libéraux. Oublie pas, là. Bonjour, Corinne. C'est Marie. Comment allez-vous? Dieu tolère ces caresses honteuses seulement pour assurer la procréation des enfants. Je ne puis vous donner l'absolution. Vous n'avez pas le ferme propos. Mais nous aurons beaucoup d'enfants. Pas avec les mœurs criminelles que vous confessez. Après le mariage, aucune précaution, none at all. And lots of children, même si mon mari est étudiant seulement. Nous commençons à voir que votre comportement est trop souvent différent de vos intentions. Celles-ci ne sont pas assez fermes. Vous empêchez mon mariage parce que je suis une grosse pécheresse. Comme confesseur, mon devoir est de vous dire que vous n'êtes pas prête.
Mais Dieu a voulu, pour le meilleur et pour le pire, que ses enfants restent libres. Et pour cela, il nous impose le secret de la confession. Jamais je n'interviendrai en dehors de cette porte. Priez, mon enfant, priez beaucoup. Vous en avez grand besoin. Et revenez à confesse quand vous aurez fait quelques jours d'efforts. Je prierai aussi pour vous. But I worked so hard on your goddamn film propos. Hell. Oh, mother, I'm glad I talked to you. Je m'étais trompée sur vous, Florence. Je croyais que vous m'aimiez pas beaucoup. Alors, je me taisais, je gardais mes distances. Tout le contraire. Mais je vous observais comme malgré moi, ce que je vous ai vu apporter jour après jour dans cette maison, ça m'est apparu comme précieux. Je suis une grosse pécheresse. Les prêtres ont leurs difficultés comme toutes les autres personnes. Faut pas prendre tout ce qu'ils disent au pied de la lettre. Donc vous avez de la joie de vivre et beaucoup de générosité. C'est une sorte de sainteté, ça aussi. Vous êtes pas trop inquiète pour Émile avec moi? Non. Mais pour qu'un mariage fonctionne bien, je crois que la femme doit savoir être un peu la mère de son mari. La bonne mère. Vous allez très bien me remplacer. Vous remplacez, moi? Non, jamais. Oh, oui. Un peu. Il le faut. Émile, c'est un très gros morceau dans ma vie. Je te le confie, puis je suis tranquille. Yes, please, say tu avec moi. J'ai pas vraiment eu de moment. I barely remember. T'es revenu, toi? Oui. Ben, je veux pas vous déranger, là, mais... Et Florence, il y a quelqu'un pour toi. Daddy! How are you, daughter? Oh, I'm so glad you came. As-tu trouvé ton temps? Well, that champion of yours didn't leave me any choice. Mother, je vous présente mon papa à moi. Pas trop nerveuse? Très excessivement calme. Oh, le pire est derrière toi. C'est le plus beau maintenant qui commence. Qui est là? C'est Émile. Attends, Émile. Tu peux pas entrer ici. Maman, ça répond toujours pas chez tonton Tancred. Mais rappelle Pierre-Paul. C'est son élection. Mais dis-lui qu'il n'y a pas le choix. Je compte sur lui. On l'attend tout à l'heure à l'église. Mon papa, peut-être il peut faire le père pour les deux. Ça se peut pas, hein? Ça marche pas comme ça. Non. Tu sais, tout ça, c'est des cérémonies. Vous pourriez très bien vous marier avec de simples témoins sans que personne joue le rôle de père. Ça commence à m'inquiéter sérieusement, cette histoire-là. C'est pas du tout le genre de Tancred, ça. Tu crois qu'il peut lui être arrivé quelque chose? Je refusais d'y croire. Je me disais qu'il devait faire une inspection pour l'armée, quelque chose du genre. Mais même Corinne n'a pas eu de ses nouvelles depuis 10 jours. Ça doit être lui. Il va répondre, Corinne. Ça m'a surpris de rencontrer ton père. J'aurais imaginé un tout autre homme. Ah oui? Comment vous pensiez? Il est très timide. Il m'a dit que vous étiez une très grande lady. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'Émile t'a dit comment il l'a convaincu de venir? Gros secret. Il veut pas me le dire. There's a promise, apparently. Émile a promis ou Daddy a promis, je ne sais pas. But they have great fun with it. Alors? T'as plus à t'inquiéter pour mon excursion en bicyclette. C'est un télégramme de Camille. Il vous souhaite tout le bonheur du monde. Absolument. Il dit aussi de lui écrire à la poste générale de l'armée en Angleterre. C'est-à-dire qu'il s'embarque? Il ne pouvait pas le dire, hein, la censure. Il est probablement déjà parti. Oh, je vous jure. Non, c'est rien. Ça va aller. Je suis capable d'être aussi forte que toi, maman. Bon, veux-tu qu'on essaye ton voile maintenant? Oui.